XYZ. Toujours encore écrire, le besoin d'éclaircir mon âme et de rire, pouvoir subvenir à mes relations futures, sans par la vie se faire fuir. Une impression de cornet de frites, l'amorosité provisoire de mon âme, inspirant une nouvelle fois ma musique, ma prose de façon critique, tirant vers le négatif, voici par moment, tout en étant magnifique, irrévocable qualité de lyriciste. J'ai beaucoup sème la jalousie, la panique, je me dois d'être pacifiste, sachant me défendre lorsque la vie te met dans flip. À Paris, Marseille, Lyon et bien dans d'autres villes, je tourne des clips, me servant ce que la matrice me de façon habile, la matrice meuf de façon habile. Depuis des années, vivant la désobéissance civile, active jusqu'au boutiste, le vent dans son âme à ceux qui manipulent l'humain, souffrant de rébellion conspirationniste. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc ne demeure pas rose. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc ne demeure pas rose. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. Mais le problème demeure. Des illusions sionistes mettent la pression à la Palestine. Où est passé le bon spleen? Tous ces bombes larguées sur la Syrie ailleurs, tant de kills. La violence mondiale, la pauvreté frappant les différentes populations font la manche. L'Occident s'affranche, la tendance est à l'oubli juste banal de ces siècles de colonisation, de ces puissances européennes créées par l'amour du dépouillage des nations. L'Afrique mise dans le sac de ses ressources primaires exploitées face à ces différents monarques. L'esclavage des races, ils débarquent, effacent l'histoire, défoncent la culture, se donnent des airs supérieurs, prennent les autres pour des blattes. L'humain comme ressource primaire, de quoi s'étonne-t-on de nos jours? Qu'il y ait une telle lourdeur d'atmosphère, l'argent et son contrôle ont toujours généré la guerre. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc ne demeure pas rose. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc ne demeure pas rose. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. Mais le problème demeure. Regarde son fils, ses yeux pleurent. Il n'a plus de toit et Noël a sonné son heure. Il n'a pas d'argent pour pouvoir acheter des cadeaux. Pas de sympa Noël, pas même un peu de champagne. Un bon repas avec comme dessert le gâteau. Sa ville est tombée en ruine, Alep est tombée dans l'abîme. Bombardement cessant, on détruit une bonne partie de sa ville. Plus moyen d'évoluer en sécurité dans certaines rues. Les snipers en faction te colleront une balle si dans l'os tu t'aventurais le bastion. Le Vietnam, l'Irak, la Syrie sans état d'âme. Toutes ces guerres au contrôle du pétrole en femme. Les ressources primaires. Tous ces civils en pleurs, toutes ces familles dans la torpeur. La guerre génère tant d'argent que certains balancent des bombes comme s'ils jetaient des fleurs. Comme s'ils jetaient des fleurs. Comme s'ils jetaient des fleurs. L'enfer, quelle est leur motivation première? Freedom Fighter Records. Reggae. Déjà la fenêtre quand le réveil sonne. Il regarde la cour mais il n'y a encore personne. Pourtant dans quelques heures le silence ne régnera plus. Beaucoup de jeunes viendront y passer une journée de plus. Vaincus par l'oisiveté ou l'art d'aller pointer. Pour rien certains iront dealer devant les plus jeunes émerveillés par tant de billets. Le genre de gâteau qu'ils se languissent de goûter. Déjà résignés à suivre le chemin qu'il leur est tracé, ils ne pensent même pas à lutter. La vie est un film où tout le monde a un rôle à jouer. Le problème c'est qu'il y a trop de séries B, trop de second rôle croulant sous le poids du premier. Sur lesquels ils vont calquer de leur démarche jusqu'à leur manière d'être. Ainsi ils ont l'impression d'ouvrir une fenêtre. Quelle est leur motivation première? Je n'en sais rien. Peut-être vivent-ils le purgatoire au quotidien. Le regard extérieur ils se disent c'est pas de leur faute. Cette fois il a raison, l'enfer c'est les autres. L'enfer, c'est les autres.
autre. C'est Our Planet Earth, Our Planet Earth. Save Our Planet Earth. Petit frère n'a qu'un souhait, devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater la tronche de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche Neige et les sept nains. Maintenant on est nains, on gicle et Blanche Neige. Les types se frappent, ça claque, tape dans Mortel Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide, mais ses poches sont tarines. Alors on fait le caïde dans les bouts qui sont désormais des soirées, plus de sirop au dessert. Petit frère veut des bières, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte, c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère, fine d'esprit, fait casse des voitures. Et casse des voitures. C'est Our Planet Earth, save Our Planet Earth. Il est passé par ici, il repassera par là. Le Canadien canon ne l'arrête pas. Partout en Europe, il sévit déjà. Et la France est cernée par les champs de ganja. C'est le plus grand envahisseur que l'humanité a subi. Il ne fait pas couler le sang, mais plutôt s'ouvrir les esprits. Côté pile, sa fibre avec ses milliers de fonds. Ce côté face, la substance en pleine prohibition. Cannabis can, assez cannabis can. Reggae Mixtape Freedom Fighter Record 2021. Forever Love Ja. Sativa Sinsimia, faudrait penser à légaliser. 8000 avant JC, cette plante est déjà cultivée. Différentes qualités fibreuses, oléagineuses, nourrissantes, propriétés médicinales de la weed et du shit. Sous tendance, ont toujours calmé l'humain dans ces moments dramatiques. Venu d'ici pour son utilisation textile, sans oublier l'huile, capable de traiter le cancer. Bien mieux que la chimiothérapie, à l'époque pas d'aspirine dans le verre. Juste la teinture d'alcool cannabis pour soigner. Durant tout le 13e siècle fut massivement utilisé. 17e, 18e, le cordage de chanvre était employé. Par toutes les puissances mondiales se disputant la suprématie navale, constituant même les voiles de ces navires. Au 20e commence alors la décadence, la plante chavire. Débute en Amérique la répression. Le marijuana attaque son grand en action. Face à la pression des industries du textile synthétique, des lobbying forestiers désirant le contrôle de la production de papier. On aurait pu faire rouler nos voitures à l'huile de cannabis. Fort préfère étouffer le projet au profit de carburant pétrochimique. Carburant pétrochimique. Sorti
si vaccine c'est mieux, faudrait penser à légaliser. Mille avant JC, cette plante est déjà cultivée. Nombreux sont ses vertus, multiples utilités. Libérer Marie-Jeanne, laisser le peuple décompresser. Sativa, Sensimia, faudrait penser à légaliser. Mille avant JC, cette plante est déjà cultivée. Nombreux sont ses vertus, multiples utilités. Libérer Marie-Jeanne, laisser le peuple décompresser. Laisser le peuple décompresser. Prenons exemple sur le modèle de la Hollande. 40 ans déjà que la weed et le shit sont en vente, légalement commercialisés, engendrant des millions de taxes et d'impôts payés par la production de la ganja. On pourrait largement renflouer les caisses de l'État, mais dans la répression ils s'entêtent. Et vas-y que la police emploie des tests salivaires pour un joint fumé 3 jours par avant. Ça devient la guerre, plus de permis, plus moyen d'aller travailler. Des insertions sociales par la répression est engendrée, sans parler des violences créées par le trafic illicite. Cette plante, les cartels de la drogue n'arrêteront pas la tendance. Alors arrête la réflexion, laisse cultiver le peuple. Au moins la prescription médicale pour soulager des douleurs. L'huile de cannabis très concentrée peut éradiquer des tumeurs, guérir du cancer. Les pharmaceutiques en ont peur, comme d'habitude. Toujours une question de business, des maladies créées par ces multinationales qui s'enivrent de richesse. Qui s'enivrent de richesse. Sativa, Sensimia, faudrait penser à légaliser. 8000 avant JC, cette plante est déjà cultivée. Nombreux sont ses vertus, multiples utilités. Libérer Marie-Jeanne, laisser le peuple décompressé. Sativa, Sensimia, faudrait penser à légaliser. 8000 avant JC, cette plante est déjà cultivée. Nombreux sont ses vertus, multiples utilités. Libérer Marie-Jeanne, laisser le peuple décompressé. Laissez le peuple décompresser. J'ai besoin de m'exprimer sur du route, laisse-moi kiffer ma scène. Sors la loupe, plus de doute, il est temps de décompresser. Avec ma troupe reste cool, jamais abandonné avec les femmes, j'ai pas de moule, mais je continue d'espérer. Sortira de la foule pour m'emmener. Partir à la découverte, ensemble faire des recherches. Moi je te donne la main verte, mes connaissances sont offertes. Moi je veux partager un bon moment passé. L'ivresse de l'amour te fait tout oublier. Te fait tout oublier. Amour comme solution, sans illusion dans ce monde, c'est la déraison, pollution, corruption. Alors changeons la donne, faut s'organiser que cesse le royaume de Babylone. Amour comme solution, sans illusion dans ce monde, c'est la déraison, pollution, corruption. Alors changeons la donne, faut s'organiser que cesse le royaume de Babylone, Babylone. La puissance de l'amour, alors je lui fais la cour. Commence le compte à rebours. Moi je veux pas finir sourd, besoin de me ressourcer. Un peu de sous pour kiffer, retourner travailler. Récupère une tournée, me sens bien sur la route. Se dissipe tous mes doutes, suis un sentimental. Un poète peu banal, rapide comme un squale. Moi je squatte jamais la salle, y'a toujours une faille pour
pour se glisser. Envoie des freestyles toute la soirée. Toute la soirée. Amour comme solution, sans illusion dans ce monde c'est la déraison. Pollution, corruption, alors changeons la donne. Faut s'organiser que cesse le royaume de Babylone. Amour comme arme, amour comme solution, sans illusion dans ce monde c'est la déraison. Pollution, corruption, alors changeons la donne. Faut s'organiser que cesse le royaume de Babylone. Babylone. Remercier tous ceux qui m'ont aidé à mener ce beau projet musical engagé. Me suis bien baladé des pays explorés. En quantité j'ai clippé, image de top qualité. J'ai un message à passer, ça n'a pas vraiment changé. Mon combat est lyrical, je revendique la liberté. Notre liberté bafouée, pas sanitaire imposée. Moi je suis pas vacciné, car ta puce RFID. Le système peut te traquer, c'est perso mes données de santé. Cette nouvelle ère fait flipper, des ordres mondiales tu le sais. Le respect s'est envolé, les écrits ont parlé. Trafic d'influence bien plus loin qu'en France. La pyramide comme d'habitude mène la danse. Mène la danse. En 2016, le constat est grave à faire. Trop de misère, environnementalement parlant. Mais c'est un choc planétaire au détriment de certaines populations. On continue à morfler, aucune éducation, à peine de quoi manger ou boire. Mais ça d'histoire, le diamant n'a pas vraiment fini de voir ses ressources exploitées. Cela devrait être un devoir d'essayer d'aider, réaliser qu'un tiers de la planète jouit du droit, garder ressources et compte de faire la fête. Quand même les paysans du diamant essaient de s'en sortir, les multinationales attendent avec le sourire. Mais rachètent, raquettent, à coup de GM, la connerie, mais tolèrent l'intolérable. C'est la même qui à long terme nous poussera vers le massacre écologique. Sous logique, un tout ne peut pas rester une bombe. Afrique à la merci, man de ces géants du pétrochimique. Sur les parties sur la nature, Monsanto fait sa musique. Monsanto fait sa musique. Monsanto fait sa musique. Sauver notre nature, préservons notre verdure. J'arrête de gaspiller ressources, bientôt l'Arctique en notre source. Avec une planète, croit que c'est la fête. En 2016, nous laissons plus à l'aise. Mettons la pression pour que cela cesse. Pour que cela cesse. Pour que cela cesse. Pour que cela cesse. À toutes ces politiques véreuses, scandaleuses, tendancieuses, la protection de l'environnement est-elle si onéreuse que les puissances mondiales ont bien du mal à changer leurs états d'âme. Pour l'environnement, c'est un drapeau de forêt primaire, mais l'Arctique fond en même temps que les glaces polaires. Plus de forêts primaires, mais l'Arctique fond en même temps que les glaces polaires. J'en place une petite dernière pour l'Amazonie, à tout prix comme ça de barrage et de mine m'émane. Mais c'est la vie, merci à Bélo Monté d'expulser sans préavis les tribus indigènes, une nouvelle fois plongées dans le conflit. De vouloir vivre en harmonie avec la nature, ou du moins ce qu'il en reste. Au rythme où on va pour nos enfants, ça sera net. Et tant pis, je pensais préserver la terre de tes ancêtres. Mais ils feront la fête dans un de béton, on les jette. De forêts vierges à bâtiments préfabriqués. Encore une fois, Babylone est venue pour tout contrôler, d'évaluer, évaluer. Les tribus indigènes se sont bien fait renfler. Bien fait renfler. Bien fait renfler. Bien fait renfler. Sauver notre nature, préservons notre verdure. J'arrête pas piège des ressources, maintenant l'Arctique en notre source. C'est qu'une planète, croit que c'est la fête. En 2016, nous ne laissons plus à l'aise. Mettons la pression pour que cela cesse. Pour que cela cesse. Pour que cela cesse. Pour que cela cesse. L'espoir, je porte dans le cœur, c'est comme se met un
un champ de fleurs, faudrait s'aimer sans rancœur. Bien trop nombreux sont les douleurs sur cette planète. Ça sent se gaver, font la fête. Soyons honnêtes, mondialement l'inégalité se manifeste. Mais je vois l'espoir en tous ces gens qui sont en train de lutter. Cherche pas la gloire indécemment et leur mode de vie ont adapté. Ça commence par le local, faire tourner l'artisanal. L'agriculture biologique est rien de plus normal. Mais je vois l'espoir dans l'activisme, dénoncer les dérives du capitalisme. C'est pas un manque de réalisme, je pense que l'avarice abîme domine. La croissance infinie est un crime qui opprime. Pour tout n'est que profit et c'est loin d'être clean. Mais je vois l'espoir à travers tous ces gens qui militent. Ne se laisse pas impressionner par des montagnes de fric. C'est dans l'âme qu'on érige. On érige nos propres politiques de ce système. Je suis en fuite alors je m'évade dans ma musique. Alors je m'évade dans ma musique. Alors je m'évade dans ma musique. Alors je m'évade dans ma musique.